Bonjour tout le monde, bienvenue sur News Haiti. Nouveauté pour vous, eh bien, président Donald Trump, by the numbers, et combien de tweets, combien de visites dans le golf, combien d'accusations, combien de monde qui mourit. Donc c'est un bilan par chiffre. En fait, il faut nous dire d'abord que, définitivement, président Donald Trump, et à travers 4 années qu'il passait dans le poste ça, Livini comme président qui défiait ça nous relait les normes de la présidence. Des séries de bagailles où on ne peut pas penser au président t'es qu'a fait, t'es capable dit monsieur Feyo, monsieur Dio et fort souvent monsieur briser toute qualité convention dans gens que pour adresser médias diplomate. En fait, monsieur présente tête li comme un monde, j'ai toujours dit, li pas politicien, li pas dans domaine là, donc li ka fait ça vle, li ka dit ça vle tout et des fois tout. Et allier les républicains des médias tout, même accepter que normal, je dis bon, c'est Donald Trump ça vle. So, c'est Trump. On comprend? En partie. Et Donald Trump vini avec convention presque grande décision l'État prend. C'est sur Twitter pour le garder. Bien entendu, ce n'est pas le premier président qui utilise les réseaux sociaux. En clair, président Obama, il y a une raison qui fait qu'il a gagné autant de popularité, c'est par force les réseaux sociaux. Il a gagné un bon jeune qui suivent lui. OK, c'est ça qui te fait le point pour voir. Ou capable nous capable dire ces mêmes bagarre là tout leur prend. Il y a un monde qui est très populaire là. C'est Okesi et député de New York là. Donald Trump fait particularité lui justement dans tweeter et constamment. Pas grand ken président américain qui utilisait justement réseaux sociaux autant que Donald Trump puisque l'effet de Twitter ont dit c'est un canal de la présidence, ou capable de parler, et il continue à tweeter chaque jour qui a passé. Il a parlé de plus que 25 000 fois. 25 000 fois. Il a une moyenne de 18 tweets par jour depuis qu'il prend pouvoir en janvier 2017. OK. Non combien et plus temps monsieur t'est passé loin Twitter qu'il pas tweeté. C'est à peu près yo beli 1 jour.9, li bout code jour. 1 jour.9 que il t'est fait que il pas tweeté, ça t'est fait dans zone juin 2017. C'est lorsque ancien directeur BIA Jim Comey tape justement et témoigner devant Sénat, devant le comité d'intelligence Sénat pendant investigation la Russie. C'est là ça a été fait presque 2 jours que le patrouille ça pas jamais fait. Et donc nous dans dernier phase là, l'el pral parler. Monsieur bat record dans dernier jour ça yo. Dans fin 2020, l'el pral aller quantité tweet par jour. D'ailleurs, c'est presque tout il fait ou pas attendre d'ailleurs. Il est clair que monsieur pas c'est un bail qui grave hein. Monsieur on dit que le démissionner, c'est ça en pile monde dit, il pas diriger, il pas décider. Qui doit parler de problème coronavirus ou ensemble de problème l'état, c'est dégager ma connelle, dégager l'autre monde. Je ne suis pas intéressé avec crise pays. Il est presque démissionné. C'est un seul sujet, élection que le pays dit. Donc, il a tweeté beaucoup plus ces derniers jours. Et maintenant, pas oublier que vous dites, pendant la première année, monsieur au pouvoir, avec le tweet lié et retweet par mois, c'est 205. 205 par mois. Vous comparez pour le mois de novembre, là, c'est presque 997. Oui? Au cas où, en 2021, monsieur justement tweeté en pile. Donc, on dit que tweet, retweet, c'est un bilan. Monsieur,
Ok? Et comme ça, tout, Twitter flag. Tweet lio, il y a des fois le bloqué, il y a des fois le running. Il y a des fois que, et papita que, ça a à peu près 3 jours, Twitter update l'icône à côté que, déclarer, changer message là pour dire que, justement, que Joe Biden, c'est président que grand électeur a choisi. Donc, tout ça, monsieur, a tout écouté là, c'est message ça qu'on a appelé en balle. Il y a un bagaille qui soulevait le collègue. Li. Et, on parlait de turnover. Lundi turnover, valait moun que qui quittait l'administration, ou bien tout que monsieur révoqué. D'ailleurs, c'était slogan li depuis avant le président, l'état fait chaud, you are fired. Ok? C'est ça le qu'on fait contre lui. By the way, you know mode pass, monsieur te gagne un account Twitter, qui fait te log là-dedans. C'est you are fired. You are fired, te post mode pass Twitter, monsieur. Connecté, arrivé. Deuxième mode, il change, il mette MAGA 2020. Donc, mode pass est tellement facile, qui fait que you arrivé, entré dans l'account, monsieur. Ok. Yo parle de turnover rate et de taux de monde qui quitte administration au niveau de sandare les senior ranking monde qui au élevé advisor dans niveau exécutif yo yo parle de 91% suivant Brooklyn Institution. OK, yo parle de 39% de monde qui quitte job yo et pi plus, vous comprenez? Et lorsque Trump vient au pouvoir, il y a à peu près 13 ministres qui justement retirent le coyo. Nous parlons des membres cabinet, pas sénateur ni général d'ailleurs, ils sont combien là? Ils sont 3 attorneys général, William Barr. Ok? Et il y a en fait, moun ki bat record, ça n'a pas oublié, non? Moun ki bat record, non, ça qui rete dans l'administration. C'est monsieur ça qui rete Anthony Scaramucci. Monsieur fait 11 jours seulement comme directeur de communication. Ok? Anthony Scaramucci fait seulement 11 jours. Je fais un jour notre job, la loi qui t'a touché, malgré la loi qui t'a touché en moi, non? Par contre, si vous payez, monsieur, un jour ça. Et parlant de communication, directeur de communication, et est-ce que 7 personnes qui ont servi comme. Est-ce que vous ne comprenez pas? Il y a 7 personnes qui passent comme directeur de communication, non seulement là. Ok? 7 personnes. Donc, vous comprenez, Jean, cause a dit. Pas oublier que nous avons parlé de Trump by the numbers, nous avons expliqué les chiffres caractéristiques. Et nous commençons avec tweet, nous parlons de valeur qui quitte. Mais nous allons l'autre bord, nous devons parler de ça, c'est important. Et ça fait succès le chiffre, nous parlons de la valeur. C'est causé juge. Alors là, nous sommes capables de chiffres, effectivement, le bat des records. Nous tout connaissons. C'est unique président dans un mandat qui installé 3 juges dans la Supreme Court. OK? Mais c'est pas ça seulement. Dans un mandat et monsieur c'est à rapidité qu'il mettait l'autre juge avec bien entendu et McConnell qui contrôle les chambres Sénat, monsieur arrivé mettait sous pied 55 juges appel court. Nous pas parler de federal court, non. Vous connaissez ça, appelé dit appel court, yo pi élevé que federal court. OK, appel court. Et dernier chiffre yo parler de à peu près 223 juges en tout, l'en prend au total 223 dans yon mandat. OK, que monsieur arrive mette. Et maintenant nan moment n'a pas là avec ou là.
et en fait ça n'est les lame duck sessions en élection fin fait nèg yo ap tenté mettre des trois grands juges toujours tout hier là c'est pas juge non yo t'a mettre non seulement y a tenté mettre des trois juges y a tenté mettre nommer des trois officiels tout c'est on en tout quelque part pour ma connaître tout cap essayer faire travail ça nan mitan crise côté que y a mettre budget dans semaine là nèg yo fait réunion là pour te nommer mon nan FCC c'est assez comme si absence pas gain assez sénateur qui fait ça pas fait vous va comprendre so, donc il est clair que monsieur bat record en matière de juge nous parler à peu près 223 juges lundi juge et combiné que ce soit fédéral juge appel juge et suprême court de l'homme ensemble et dernier update que update nous gain qui pire récent parler de 223 pour capable faire une idée Obama qui t'a fait pendant deux mandats, 8 ans, je crois, là nous parlons de 223, Obama est arrivé à peu près, on a fait de 317, on va dire comme ça, on va dire, à peu près 317. 317 pour deux mandats. Vous comprenez ça, ça vous le dit, différence là. Et je vous garantis 223, je ne vais pas tenir compte de dernier chiffre pour combien de monsieur mettait. Au niveau de lame duck session nan, après élection non pas gain update ça yo et you lot bon et ça yo rele executive order Donald Trump jusqu'à mois de décembre signé à peu près 11525 executive order. OK? Donc 11520 executive order. C'est président qui justement misait beaucoup plus sous executive order que n'importe l'autre président. Puisque presque toute action yo c'est pas executive order qui vient faire que fort souvent monsieur trouve le tout face à face avec à la justice avec monde qui traîne la justice pour être capable et overturn un ensemble de executive order. Dans bidon Donald Trump tout anéa ça qui fait particularité c'est valet monde qui mourit sous compte li dans cause pandémie administration là l'année 2020 surtout caractérisé par pandémie coronavirus là. OK. Donc, ou ka comprendre, on va parler de 300 000 moun qui mouri, 17 millions moun. Transparence. Et nous dans mois de décembre nan là, Donald Trump bataille pour le faire moun comprendre que c'est pas rien, il va mettre masque malgré tout problème qui vient gagner toujours à Cléonel fait plusieurs rallyes pour dire mon ne sait pas rien lui même arrivé avant élection nous songe monsieur Cap dit ça monsieur Cap dit les Cléonel dit mon qui infecté assez peut-être pour le cap dit vous comprenez il fait comprendre que c'est utilisé il était utilisé il va toute qualité donc il même accusé gain des trois l'hôpital et depuis au monde gon la on la fièvre il dit c'est coronavirus il fait toute bagarre il dit que c'est pas vrai pourtant il était prévu à Dark Winter et c'est l'île vivre là aux États-Unis dans Dark Winter tout le monde est chiffio un peu partout beaucoup plus que jamais coronavirus là avec toute force lui c'est l'espoir monde c'est vaccin qui dans la ria pour capable limiter les dégâts et malgré ça tout côté a vous dit attention vaccin pas veut dire une recette miracle en pile côté a essayer mandé mon pour éviter donc il y a un bilan en terme puisque n'a parlé de chiffres Donald Trump, il y a un chiffre qui a vint pour lui et qui a fait par caractériser présidentiel, c'est 300 000 moun sa yo qui mouri sous sa présidence et 17 millions moun qui infecté. Un chiffre, d'autres chiffres encore qui caractérise monsieur, c'est sa yo rele golf. Sorti pour la jouer. Donald Trump fait à peu près 418 visites nan propriété privée li que ce soit et dans Malago que ce soit dans Trump hôtel et autres il y a 3 en fait on parlait de 418 il y a 318 jours monsieur dépend
passé dans le golf club li, simplement 318 jours. OK? Et donc Donald Trump visité golf club 21% nan jou, lò, en termes de pourcentage que jou que le passé sous présidence li. Ça veut dire youn sous 5 jours que le visité Trump propriété 29% nan présidence li. Youn tien nan jou que le passé nan office pendant que le président. Donc nous comprenons et ça veut dire et pour année ça a ligé ta partie pour 2020 seulement monsieur grand parti pour 50 jours la avec li bail nan fait golf nan jouer golf vous comprenez oh, monsieur nous rappelle monsieur te dit nous que li pa gen temps le président il promet ça là tellement busy li pa gen temps pour le faire et rien. D'autres caractéristiques de Donald Trump, c'est valer moun, ça ne relève exécution. Combien moun que vous condamné à mort, et c'est surtout dans la dernière année ça. Et en parlant de moun, ça ne relève peine de mort. Death penalty, monsieur, et death penalty qui était réinstauré en 88, il était étendu en 94. OK? Et fédéral exécution te font camper nous connaît que monsieur une faire re fédéral exécution monsieur faire remettre sous pied gagne 10 exécutions que Donald Trump ordonné ça n'a parlé de most récent fédéral exécution d'après président depuis Franklin Delano Roosevelt donc on va regarder président pour les 75 dernières années ça ne va pas aller côté au passé l'ordre pour exécuter monde. Pendant les 75 dernières années, eh bien, Donald Trump, justement, eh bien, est en tête. Et donc, voilà, en substance, notamment quelques chiffres de la présidence. Mais il y a un chiffre qui marque le tout, c'est Valé Moun, Valé Femme, qui accusait monsieur de Santarelli sexual assault. Il y a à peu près 26 incidents. OK, que y aurait les unwanted sexual contact, 26 incidents côté yo accusé monsieur qui t'a touché femme yo contre volonté yo et gain des cas côté que yo parlé de viol et d'ailleurs, gain un cas là qui open dame ça mandé ADN et un dossier chaud capitaine Donald Trump. N'a parlé de 26 accusations de sexual assault qui gagne. Donc voilà en substance yon bilan des 4 dernières années de président Donald Trump. Certainement nous capables de joindre d'autres chiffres. Nous t'ai choisi ça pour te caractériser la présidence de Donald Trump. C'était un plaisir pour nous te partager avec vous. Pablier toujours été connecté avec nous. Dernière information, nous toujours partager au beau site là. Bye bye tout le monde.